médicaments. J'ai prévenu le shérif, vous ne pouvez pas savoir combien de temps ça allait durer. Ça va, ma belle? Ça aurait été sympa. Ne te décourage pas, j'ai les réunions, les discours. Merci encore pour le coup de main. Les allées et venues de Charles ne disent rien qui vaille. Thank you.
Thank you.
même pas. C'est très égoïste de ta part. Crois-tu vraiment que j'ai envie de te blesser? Pourtant, tu ne me laisses pas le choix. J'ai vu de grandes choses en toi. Mais tu n'as pas le courage d'aller au bout. Tu n'as pas la force que nous attendions de toi. Tu es faible. Tu es égoïste. Je peux jeter un œil. Le marchand était... Allez!
Sois pas si farouche, ma belle. De toi. Tu es faible. Tu es égoïste. Tu es une pécheresse qui refuse la rédemption. Nous n'avons pas de temps à consacrer aux pécheurs qui ne se repentent pas. Confronté à l'idée que Dieu était sûrement mort et que la civilisation moderne n'était rien d'autre qu'une terrible farce,
Clutch Nixon, le plus grand cascadeur de Hope County, fit la seule chose sensée à laquelle il put penser. Attaché à un buggy branlant, il dévala une montagne rocailleuse avant de s'écraser dans la ville abandonnée de Prosperity. Quand il reprit enfin conscience, Clutch jura de consacrer sa vie aux cascades et au programme d'alphabétisation des enfants, plutôt que de poursuivre sa descente dans un abîme métaphysique sans fond. Et plus personne après lui ne retenta le plongeon dans la folie. Dérapage!
tout est fini. Elle défie la gravité sur quatre roues. Dérapage!
ambitieux dessein. Nous devons tous suivre la voie. Je voudrais m'excuser auprès de tous les membres d'Eden's Gate, et notamment auprès du père Joseph Seed. Nous n'aurions pas dû venir. Nous avons commis une erreur. Tout ce qui s'est passé à l'église a été orchestré par un officier. Qui a très mal agi. Ce représentant de la loi a ignoré les ordres et a abusé de son autorité. Nous le retrouverons et il sera sévèrement puni. Soyez assurés qu'il n'y a aucune menace contre Eden's Gate ou la famille. Je comprends enfin votre ambitieux dessein. Nous devons tous suivre la voie. Tous les cougars, merci. Ton aide nous a été précieuse. Merci.
Vous savez qui d'autre n'a pas de vision? Les asticots! Vous entendez? Vous êtes des asticots! C'était mon idée. Vous êtes huissier? C'est moi qui le bute. Si oui, j'ai rien à voir là-dedans. Partout, c'est pour les amateurs. T'as déjà vu ce qu'un tournevis? Où est mon assistant? J'ai besoin d'un smoothie. J'ai besoin d'un smoothie. Le strict dit, on se réveille dans un silence total. Est-ce que l'un d'entre vous allume mon putain de strict? Bordel! Mais aucun de vous sait faire un film ou quoi? Aucune vision! Vous savez qui d'autre n'a pas de vision? Les asticots! Vous entendez? Vous êtes des asticots!
Où est mon assistant? J'ai besoin d'un smoothie. Le script dit « On se réveille dans un silence total ». Est-ce que l'un d'entre vous a lu mon putain de script?
sourds. Bordel, mais aucun de vous sait faire un film ou quoi? Aucune vision. Vous savez qui d'autre n'a pas de vision? Les asticots. Vous entendez? Vous êtes des asticots. Où est mon assistant? J'ai besoin d'un... Vous êtes du service juridique? Allez vous faire foutre. Hé, hey, vous êtes nouvelle? Vous voulez bosser sur un film? Bien sûr que oui. Vous êtes la solution à tous mes problèmes. Un classique. L'anonyme d'un trou perdu, toi, débarque juste à temps pour sauver un auteur mondialement connu, Guy Marvel, ton serviteur. Ça fait 4 ans que mon film, mon chef-d'œuvre, est sur les rails et je refuse de le laisser gâcher par des béotiens dénués de tout talent cinématographique. Vous savez combien de prix Blood Dragon 3 va gagner si on arrive à tourner ce putain de chef-d'œuvre? Des centaines! Le problème, c'est que tout ce putain de pays est une usine à boucans et que j'ai besoin du silence absolu pour tourner cette scène! Jouez la star, d'accord? Mon assistant va vous mettre au jus. J'ai besoin de réfléchir un peu à mon génie. On va tourner dans une zone de conflit pour le réalisme. Crétin. Un petit coup rapide sur la tête avec un objet lourd. Il n'en faudrait pas plus. Hé, hey, c'est vous l'agent de sécurité qu'on nous a promis? Écoutez, je suis pas l'assistant, je suis juste l'ingénieur du son, Dean. Ah, Guy a viré l'autre parce qu'il voulait pas utiliser de vraies balles sur les vaches. Son idée de génie, c'est de tourner une scène de film muet, mais sans couper le son. Vous vous doutez que ça se passe pas super bien. Du bruit dans le Montana sauvage. Qui l'eût cru? Il y a beaucoup trop de bruit ici. Votre boulot, c'est de faire taire ce bruit. Par tous les moyens. Vous entendez ce klaxon? C'est ce genre de conneries qu'il faut empêcher. Faites ce qu'il faut pour stopper ça. Thank you.
Près de ce bâtiment. Tu te fais désirer, fillette? La sainte voix a tout dit au père à ton sujet. Les abrutis de la résistance veulent s'en prendre à nous. Eh ben, ils vont être servis. Dans ton front, l'hérétique!
la thune, là. Ce bruit défonce tout. Guy Marvel exige le silence. Oh! Thank you.
Allez, on tourne. Faut que j'exprime tout, mon génie. Sa vision, tout devient possible. Tenez Face à distance. J'en ai les larmes aux yeux. Il y a une goule d'enfer dans le caleçon qui m'arrête. Quand vous passerez à LA, on se fera un buffet pute et coke. Vous avez un don inné. Vous auriez deux, trois trucs à apprendre à ces minables d'Hollywood, vraiment. Cette férocité dans l'action, intense, effrayante. J'ai plus ou moins chié dans mon froc, mais ça m'a plu. L'heure est venue de laisser s'exprimer tout mon talent. Blood Dragon 3 va être un vrai chef-d'œuvre. Non, sérieux, j'ai pas le choix. Je peux pas retourner bosser sur des merdes comme Far Cry. Je préfère me planter les couilles dans un étau plutôt que de devoir écouter l'avis du premier plouc sur la construction d'univers, la motivation du joueur et la crédibilité. De crever, hein, vous pouvez me croire. Oh, et j'étais pas sérieux tout à l'heure. Le plateau est fermé. Foutez le camp d'ici. C'est vous la star qui avez libéré la prison. Ça a dû être un vrai bain de sang, hein. Merci pour rien, Produc. Merde ! C'est quoi ? Passe à l'attaque !
nous faut. Alors prime à nous faut et raisonner. Yeah.
Tant que vous mangez à votre faim, nous connaissons la vérité. Nous savons que vous êtes tous importants. Vous êtes tous intéressants. Vous êtes tous fantastiques et capables et formidables. Quelque chose approche. Vous le sentez, n'est-ce pas? Le monde est sur le point de basculer, et nous ne faisons rien. Nous ne voyons pas notre obsession pour la consommation. Tel un poisson sans fond, il nous faut le meilleur téléphone, et pour aller avec une montre d'honneur, ou encore de belles lunettes, et pour ranger tout ça, il nous faudra un nouveau sac. Puis bien sûr, nous voulons la musique en ligne, nous voulons les séries en ligne, compter les films en ligne, les infos en ligne, les opinions en ligne, la vérité en ligne et les mensonges en ligne. Encore, encore et encore. Et nous consommons sans raison, sans but ni nécessité. Je dois pas avoir peur. Nous consommons la peur sans détruit le moins l'esprit. Égard pour notre prochain. Thank you.